Oui. Bon, allez, aujourd'hui, malgré le temps magnifiquement beau, magnifiquement gris, on va essayer de se motiver. Là, je vais rejoindre un pote, puis on va aller voir pour aller faire les tests moto qui se passent sur mer. Hein. Coucou Bruti. Bref, on va aller voir pour aller faire les tests de moto sur le centre TCS à mer. Hein. On va espérer passer entre les gouttes, normalement, oui. Et vu que chaque année, j'ai jamais eu vraiment l'occasion d'y aller, parce que je bosse le samedi, puis que le dimanche, il fait dégueu, comme à chaque fois qu'à cet événement. Je me dis que là, c'est l'occasion d'y aller. Puis je vais y aller avec mon pote, ce sera un peu plus sympa aussi. Voir pour tester 2-3 trucs. Voilà, voilà. Alors voilà. La sérieuse attitude de mon camarade en face de moi. La vape, scooter. Putain, un bon scooteriste, hein, comme on les aime. Quel touriste. Ouais. Ça va encore, moi je suis assez Ouais. Ah, j'avoue que ce bruit. Ouais. Allez, ça freine, hein. Et mec, à un doigt, ça freine déjà de ouf. Oh, mais mec. Ouais, ils sont partis à gauche. Oh là là. Ah mais écoute ça. C'est des engins de mort ces trucs, hein. C'est vraiment des engins de mort. Par contre j'avoue que le Komodo je le trouve horrible, hein, pour les clignots là. Ah ouais. Bon, fais gaffe parce que vu que les flics ils ont tourné un peu plus loin, ça se peut qu'ils rejoignent la route. Putain, le V4 franchement c'est... Mais ça va encore, franchement t'es quand même un peu dedans, mais c'est pas horrible. Que ça tracte. Mais mec, je suis en 4 et tout. Par contre, et ça freine mais sauvage, hein. Par contre le shifter il est ouf, hein. Oh ouais. Mais le bruit de ce machin, quoi. Mais t'entends ce claquement? Bah là là. Oh là là. Allez, juste pour le plaisir auditif. Oh
c'est assez sec ça. Nickel, ouais. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. Ah ouais, non, franchement, ouais. Ah ouais, non, franchement, ouais, un peu trop, je crois. Pas trop trop. Ton permis. Non, ça va aller. Aïe aïe aïe, cette histoire, quoi. Putain, je me suis emmerdé à la foutre là pour rien. Quoi? Je me suis fait chier pour rien. Putain, je suis deg. Ah bah, c'est reparti. Petite MT-07. Bon, ça va, ça change pas mal de tout à l'heure, et ça change pas mal de ma 09 aussi, mais... Ah ouais, merde, y'a pas le shifter. Faut faire... Bon, ça fait pas de bruit par contre, hein. Assis sur une baignoire, qui dit lui. Bon, je te détruis en axel ou pas? Vas-y. Oh, il flotte là. Ouais, bah je comprends que c'est des gens, y a beaucoup de gens qui prennent des 07 pour apprendre à conduire sur des grosses cylindrées. Hein. C'est un vélo le machin. Ah ouais. Ah moi je suis, franchement je suis surpris de ce 07 quand même. Hein. Elle est quand même surprenante parce qu'elle marche bien. Elle marche bien, ouais. Putain, tu sens le scooteriste qui a l'habitude, hein. Mec, moi, tu me files ce truc, je me sens perdu, quoi. Mais par contre, ouais, la 07, c'est un peu comme avec la 09 aussi, ça te pousse à la confiance, quoi. Elle te pousse à la confiance, cette moto. Alors que la Tuono, franchement, je faisais moins le malin. Ah bah ouais. Ah bah voilà, tu vois le mec avec son X-Max derrière toi, hop, en mode je te coupe la route dans le rond-point, rien à foutre. Ça met là ? Ouais, là, c'est bon. C'est bon ? Allez. Ah ouais, ça rote quand même. Hein. Ah ouais. Ah, c'est pas dégueulasse. Hein. Ça va, je touche le sol. C'est bon. Ah écoute, je kiffe la position aussi. Oh, on est super droit et tout, et ça me fait penser avec la 09 quoi. Et du coup, il y a le shifter en descente ou pas là-dessus? Bah écoute. Ah bah oui. Bon, un rond-point en deuxième, ça donne quoi? Ouais, écoute, ça va. Aïe aïe aïe.
Ah moi j'aime bien cette histoire aussi hein. Puis y'a pas un milliard de boutons dans tous les sens et tout. Y'a pas un milliard de boutons dans tous les sens en plus, ça j'aime bien. C'est sexy ouais. Pas de clé. Pas de clé, à mon avis, ils les ont oubliés au garage. Bon, faut pas que je cale, je suis dans la merde sinon. Ouais, mais si les clés elles sont là-bas. Oh, c'est quoi, c'est un chat ça? Oh non, mais il me dit pas de clé, donc à mon avis, elles sont oubliées quelque part les clés. Mais le compteur me dit pas de clé. C'est qu'elles sont pas à portée. T'as la pression. Et du coup j'ai rien sur le compteur, je sais même pas quel rapport j'ai, je sais pas. Oh là là, putain de merde. Oh l'engin de mort, putain. Bah j'avoue que moi ça aussi, hein, ça m'aurait pas dérangé. Ah c'est marrant cette optique devant en plus. Bah écoute, moi la 12 de Nantes, ça me déplaît pas non plus. Hein. Le cochon. Putain, le shifter en descente, ça c'est malsain aussi ces trucs. Mais... En fait, ça sert plus à rien quoi. Ça... Putain, j'ai le mec devant qui s'obstine à dire bonjour à tous les motards, les mecs ils en ont rien à foutre, ils veulent juste tester des brels et y aller comme des connards. Oh, ça part beaucoup trop fort cette histoire. Écoute, moi je trouve pas ça dégueu, hormis que ça lag dans le menu un peu. Bah regarde le contour. Et là, pour m'afficher le neutre, il a mis une seconde quoi. Bon, ça fait du bruit ou pas? Ouais, la Tiono quand même, ça rivalise pas là. Mais du coup, t'éteins cette histoire. Hop! Merveilleux. Putain, c'est juste chez en bas, chez Honda, les boutons des clignots ils sont en bas quoi. C'est vrai que c'est maintenant que je reprends un 4 cylindres que ça paraît tout plat. Oh, il y avait une Lancia Delta là. Bon, ça chante ou pas? Ah, c'est pas vilain cette histoire aussi hein. Par contre, ouais, en mode sport, t'as vite les à-coups. Hein. Bon, ça chante ou pas? Oh, c'est dégueulasse les clignots allumés là. Ils sont allumés derrière là? Ah, c'est dégueulasse hein. Bon, avec ton scooter moto. Tu t'en sors ou... Tu veux qu'on s'arrête à droite après là ou... Vas-y, je t'attends.
Mais par contre, ça fait un bruit. Ça fait un bruit de super vente. Voilà, voilà, journée de test finie. J'avais plus de batterie, donc je la termine comme ça la vidéo. Donc ouais, on a pu tester divers véhicules, c'est bien cool. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. A plus, bonne journée.